Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Ghosty et bienvenue pour un nouvel épisode de Animal Crossing New Horizon. Alors désolé si je regardais là, c'est juste pour savoir si c'est enregistré. Bah écoutez, moi de mon côté, ça va nickel. Aujourd'hui, c'est un jour spécial sur Animal Crossing, c'est la journée du partage, donc Thanksgiving. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est Thanksgiving. Bonjour à tous, chers résidents de l'île. En ce jeudi 28 novembre 2024, il est actuellement 16h55 sur notre belle Ghosty Land. Nous organisons un événement lié à la fête du partage jusqu'à minuit pour fêter les récoltes d'automne. Nous avons invité un grand chef de renommée mondiale pour cuisiner sur la place, ne manquez pas ça! Sur ce, je retourne dans mes activités afin que chaque instant que vous passez sur cette île soit enchanteur. Ok Marie. Du coup, on va visiter ça. On va voir ça, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Alors, je pense pas qu'aujourd'hui on va faire un gros truc, hein. Je pense que ce sera un petit épisode spécial Thanksgiving, journée du partage, comme vous voulez. Pour vous montrer un petit peu, pour ceux qui savent pas, voilà, pour ceux qui savent pas ce que c'est Thanksgiving, c'est une fête américaine, si je dis pas de bêtises. C'est la fête des récoltes, c'est la fête du partage, comme vous voulez. Et du coup, ils l'ont intégré dans Animal Crossing, et franchement, je trouve ça pas mal. À moins qu'il y ait une autre origine que je sache pas. Alors, je me renseignerai, mais dites-le moi dans les commentaires si jamais je dis bêtises sur Thanksgiving, ça peut arriver, hein. C'est pas grave, hein. Je sais juste que les Américains font ça. Du coup, voilà. Donc c'est parti, on va visiter ça. Alors, du coup, tac tac tac. Donc je sais juste que ça se passe avant Noël. Voilà, c'est les fêtes avant Noël pour les Américains. Du coup, hop, des clochettes. Mes clochettes, on prend ça. Il faut aussi rembourser le prêt pour la maison. Faut que je rembourse la maison, ouais, je sais, empoché. Alors, du coup, tout le monde est là, tout le monde est présent sur la place. Il n'y a rien sur le tableau d'affichage. Nous allons parler au dindon. Donc, Dindou, tu résides sur cette île. Je me présente, Dindou, cuistot pro de renommée interinsulaire. Nook, INC, m'a engagé pour régaler l'île. À l'occasion de la fête du partage, on célébrait la récolte avec un festin préparé à partir d'ingrédients locaux. Et pour les dindons, la cuisine, c'est pas de la farce, c'est donc pour ça qu'on a fait appel à moi, Glouglou. Mais, entre toi et moi, j'ai une approche plus conceptuelle de cette fête du palais. Attention, ne te fais pas de fausses idées, j'ai tout ce qu'il faut pour mitonner une potée de palourdes. Mais aujourd'hui, je n'ai pas un jour comme les autres, c'est un jour d'excellence, d'abondance. Il me suffirait de trois palourdes japonaises pour sublimer ma fameuse potée de palourdes. D'habitude, ce sont mes commis qui font mes commissions, mais je n'ai pas de commis ici. Alors du coup, on va chercher les palourdes. Bon, ça tombe bien, on a des plages à proximité, bien évidemment. Alors, du coup, la perle. On prend la perle et on va fouiner un petit peu. Alors j'ai un peu mal aux yeux, je vous avoue, hein. Par moments, c'est horrible. Parce que l'écran est trop fort, je pense. Il faudrait que je baisse un peu la luminosité de l'écran. Alors déjà, une palourde. Est-ce qu'il y en a d'autres là? Là, oui. On a une palourde. Et de deux. Et une troisième qu'on va devoir chercher à gauche parce qu'on a un pont et j'ai la flemme de prendre la perche pour ensuite reprendre la pelle juste après. Je vous avoue, ça c'est un peu chiant, mais c'est comme ça, c'est le but du jeu. Entre Nook qui fait chier et tout ça, on est servi. Ici, on n'a rien. Ouais, pour l'instant, il n'y a rien. Là non plus. Est-ce que ici, est-ce qu'il y a une palourde? Est-ce qu'il y a une palourde ici? Non, oui, non. Non, pas ici. Là peut-être. Tu vas pas me dire qu'il n'y a pas une palourde dans le coin là? C'est une blague. Oh. Quand on cherche quelque chose, des fois on le trouve pas. C'est chiant. Non, ça c'est les traces de pas. Oh, c'est une menthe religieuse orchidée, ça. Oh. Elles sont rares, ça, non? C'est rare ou pas, ça? Oh. Ah, mais il y a des menthes religieuses, là. Bah, écoutez, on pourrait récupérer les menthes religieuses, en vrai. Parce qu'on n'en a pas, hein, dans la collection. Alors, il y a la normale qui est... Bah, la verte qui est ici, à droite, là.
Faudrait que je mette un pont aussi ici, je pense. Je vais devoir faire ça. Alors je vais te faire. Je vais faire attention. Parce que si j'en trouve une et que je l'ai pas. J'aimerais bien avoir une collection. La menthe religieuse orchidée, elle est magnifique en plus. C'est une belle, c'est une belle espèce. J'adore. C'est ce que je voulais par moment chez moi. Mais ça me demande un peu d'entretien. Voilà. Pas non plus de, un entretien de ouf, mais voilà, il faut, faut s'en occuper. Il faut avoir le temps. Et tout, là. Mais après, ça va. En vrai, c'est pas trop chiant ni rien. Ça coûte pas. Oh merde. Ça coûte rien. Vous lui donnez une mouche et elle est contente, hein, en vrai. Hein. Et ouais, la menthe religieuse, elle est partie. Ça disparaît comme ça, ça. Alors, désolé, je suis un peu enrhumé, hein. Vous savez que je suis souvent enrhumé, c'est chiant. Ah, on va avoir bientôt un nouvel habitant, là. Un nouvel habitant prochainement. Ici. On part sur un autre objectif, là. C'est choper une menthe religieuse, quand même. Hein. Mais, de toute façon, la palourde, c'est pas le plus chiant, en vrai. Le plus chiant, je pense que ça va être la menthe religieuse pour l'avoir, c'est une galère. Parce que là, j'en ai pas retrouvé d'autres. Ouais, non, il n'y a pas. Pas du tout, là. Ok. Donc, il n'y a rien. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le coin? Ça serait cool, une petite menthe religieuse, là. Allez. Je peux pas me dire que la menthe orchidée, elle est... Elle est chiante à avoir dans le jeu, quoi. Bon, ça, on en a déjà. Est-ce qu'il y a une palourde dans le coin, là? Ouais, là, il y a une palourde. C'est bon, on en a 3. On prend le filet. Ah, y a plein de champignons, là, par contre. C'est pas les champignons les plus chers du marché, quoi. C'est pas ça qui va nous donner pas mal de clochettes, hein, je vous le dis. Il faut aussi que je mette un pont, ça serait cool. Dès que j'ai l'occasion, je mettrai un pont. De toute façon, l'île, c'est pas fini, hein. Il faut faire tellement de trucs dessus. Tellement de choses à faire. Alors, est-ce que je ferai l'extension Happy Home Paradise? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Parce que c'est pas trop mon... Bah, c'est pas que c'est pas mon délire, mais c'est que Animal Crossing, déjà, c'est déjà pas mal, donc avec un DLC, voilà, quoi. Tout le monde doit être impatient de goûter ma cuisine, mais je ne peux pas lancer ma potée de palourdes. Pourtant, il suffirait qu'un commis de rapporte 3 belles palourdes japonaises toutes fraîches. J'irais bien la chercher moi-même, mais je ne peux pas tout faire. Un commis serait bien plus efficace. Tiens, cadeau. Quoi donc? Tu as de quoi remédier à ma pénurie d'ingrédients? J'ai 3 palourdes, donc oui. Saper les popettes, deux belles palourdes japonaises locales. Quel magnifique mollusque, je vais préparer une potée de palourdes dont vous me direz des nouvelles. Bien, j'ai maintenant tout ce qu'il me faut, alors... Au fourneau! Allez, go, fais à bouffer, dindou! Fais la bouffe! Oh, c'est joli, c'est stylé, je trouve. Mais il y a 3 autres plats à faire ou c'est comme ça? Glouglou, grâce à moi et aussi un peu de toi, ma délicieuse potée de palourdes fumante est prête. Les gens ont tendance à snober les soupes à le tort. Quand on y ajoute des palourdes japonaises, c'est un régal sans égal. Je tiens à te remercier pour ton aide. J'ai donc l'honneur de t'offrir un tapis fait du partage. Ok. Alors, est-ce que ça va être comme Jaco, il faudra faire d'autres trucs? Je dois le reconnaître, pour un amateur, tu as l'œil pour les ingrédients. Bon, le prochain plat au menu est une tarte à la citrouille. Ah, je me disais bien, il y avait une connerie comme ça. J'avais engagé un commis pour le trouver. Ah, avec plaisir. Donc, il faut que j'aille voir Milly et Mello, parce que eux, ils en ont, je crois, il me semble. Une citrouille orange et une citrouille blanche. Avec ça, je vais pouvoir m'étonner. Et la meilleure tarte à la citrouille que cette île n'ait jamais goûtée. Tu ne disposes pas des ingrédients nécessaires, quelqu'un d'autre les a peut-être.
Il n'y a pas de honte à demander un coup de pouce, la preuve, c'est comme ça que je t'ai recruté. Ah, d'accord, donc il faut demander... Ouais, c'est comme Jaco, hein, il faudra demander à eux. Hello, toi, en soucien de... que j'existe, j'avais complètement l'impression d'être transparent ces derniers jours. Pas un mot, pas un bonjour. On repart sur les bonnes bases, mon chéri. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec toi. Ah ouais, carrément, mon chéri, quoi, sans déconner. Est-ce que Mélon, il pourrait l'avoir, ça? Après, à la rigueur, les manques religieuses, on pourra faire ça plus tard. Je vais quand même renseigner chez Mélon. Je sais pas si on, un habitant peut les avoir. Bah, la citrouille orange, ouais, on peut l'avoir, mais la citrouille blanche, c'est rare. Oui, tu arrives au moment 1, oui, nous sommes comme un groupe national. Oui, j'essaye des réductions, on s'en fout. Moi, je veux voir les citrouilles. Est-ce qu'il y a des citrouilles qui m'intéressent? Ils en ont pas. Je vais devoir demander aux habitants alors. C'est quoi ça? C'est une serge magique rouge. Alors, j'ai le casque qui m'étrangle un petit peu, je vous avoue. Je vais l'enlever, parce que là, ça fera m'étrangler. Ah, punaise, c'est horrible. C'est horrible. Alors, du coup... Non, ils en ont pas. Bon, mes citrouilles, ils ont pas poussé. C'est pas encore. Je crois que c'est le lendemain. Ah, le câble. Le casque a failli se casser la gueule. En plein tournage, super. Comme d'hab, il m'arrive toujours une couille en plein tournage, c'est chiant. Alors, est-ce que les habitants en ont dit, c'est toi qui as apporté les palourdes japonaises que Dindo a mises dans la potée de palourdes? Tu as sauvé la potée de palourdes, ce qui veut dire que tu as sauvé le fait du partage. Est-ce que vous avez des citrouilles, les gars? Tout ça, ça sent si bon, je vais savoir quel goût ça quoi là. Lui non, peut-être lui. Coucou la miche. Alors, coucou la manche, la vie est batte en ce moment. En fait, je répète un rôle d'ancêtre, alors je travaille les expressions d'il y a 1000 ans. C'est parti, mon kiki. Lui non plus. Je crois que je vais être dans la merde. Ouais, pas. Oh, comme les décisions notes de palourdes japonaises révèlent. Relève bien la potée de palourdes. C'est à toi qu'on doit cet ajout succulent, Ghosty. Mes compliments, t'as dit d'ailleurs. Ok. On va parler à lui, là. Boum, boum. Ah, Ghosty, c'est gentil de t'arrêter pour bavarder, ça va? J'ai l'impression que tu essaies de m'éviter ces temps-ci, pas vrai? Non, c'est juste que j'ai pas mal de choses à faire, c'est peine perdue, j'ai peut-être une forte carrière, mais je suis rapide comme l'éclair Makai. Ok. Je crois que pour les citrouilles, c'est mort. Ça va, pour une surprise, comment tu vas? Tiens, je crois que j'avais justement quelque chose à te dire. Mince, impossible de me souvenir, bah ça reviendra plus. Putain, bon, les billes. Comme c'est appétissant, j'ai encore tout à apprendre en ce qui concerne la présentation des plats. Ok. Bon, bah je crois que je suis dans la mouise. Je n'ai pas la citrouille blanche. Rip. Ouais, et je vais faire comment? Parce que Nook, je pense qu'il a pas ça, ça c'est sûr. Je suis dans la merde! Ah, punaise, j'ai rien pour... ouais, mais il me faut citrouille orange et rouge. C'est facile à dire d'un nous, mais je les ai pas. J'ai pas ces citrouilles-là, je fais comment? Ah, bordel. Bon bah... Tant pis pour la fête du partage, hein. Au moins on aura fait celle de Jaco cette année. C'est déjà pas mal. Après il y a Noël. Après je sais pas s'il y a d'autres fêtes entre-temps, je crois pas. Pas d'autres fêtes, je crois. Sur Animal Crossing, il me semble pas. Et après on est bientôt en hiver, donc il y aura pas mal de choses à faire, je pense. Pour Noël. Ouais. À moins que je sache pas certaines choses, je sais pas. Mais je suis un peu dégoûté, ouais, parce que j'ai pas ce qu'il faut. Et ben tant pis, je crois que on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour ce petit épisode d'Animal Crossing, hein, parce que bon, y a pas grand chose à faire à part, bien sûr, les fossiles et tout ça, récolter tout le bordel, etc. Mais enfin, bref. Bon, bah écoutez, les amis, j'espère que l'épisode vous aura plu, malgré que, bah, on peut pas faire la deuxième mission de Dindou. Je suis désolé. Les citrouilles blanches, j'en ai pas. Les citrouilles oranges, j'en ai, mais en pas poussé. Donc, voilà. C'est des choses qui arrivent. C'est comme ça. Bon, bah, écoutez, les amis, comme d'habitude, lâchez le pouce bleu. Je vous dis à très vite. Abonnez-vous. C'était Ghosty. Ciao, tout le monde.